Amen. Aussi, mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Amen. Car tu ne livres pas mon âme au séjour des morts, au monde. Le Seigneur ne livre pas ton âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas, Dieu, que ton dernier soit la corruption. Tu ne feras connaître le sentier de la vie.
Seigneur, me voici devant toi dans l'humilité. Aide-moi.
arrive à surmonter cette épreuve et qui veut arriver au but de cette épreuve qui passe. Une petite question tout simple. Et je pense que vous avez plusieurs pensées. Donc je vous laisse me donner la réponse si vous trouvez cela. Simplement. Tout simplement. Et après, je vais te dire que tu es aussi cette personne aussi. Non seulement dans l'esprit, mais aussi dans le naturel. Est-ce que tu as déjà vu un Anglais se décourager? Pas de Dieu? Non. Il veut toujours arriver à la perfection. Il veut continuer. Quelqu'un qui est au sport, qui est en train de jouer, on voit celui qui sort qui est plus loin. Il est toujours déterminé à arriver à le but. Pourquoi? Parce qu'il est entraîné. Ce que je veux te dire, toi aussi, tu es un athlète. Mais un athlète de Jésus-Christ, acclame ses deux. Amen. Ne te fie pas à ton apparence. Ne te fie pas à ton âge. Ne te fie pas sur la capacité que ta chair te donne de pouvoir faire les choses. Mais fie-toi sur la parole, Massata et Maka, la parole de Dieu. C'est lui qui va te donner la capacité de franchir les paliers de l'épreuve qui se met dans ta vie. Et qui va te permettre de réussir toutes les épreuves que tu passes. Mais tu n'es pas tout seul. L'Esprit de Dieu te demande quoi? Amen. Si ma pose est sur la bonne femme et l'esprit est dans mon animal, ça n'est pas. Surtout que ma pose est sur la bonne femme. Ce n'est pas la preuve qui te domine, mais c'est l'onction de Dieu qui te donne pour surmonter les épreuves. Dieu te domine sur toutes choses. Tu dois dominer dans ta vie de consécration, dans ta vie de louange, dans ta vie de l'adoration, dans ta vie que tu mets en avant pour le Seigneur. Tu es quelqu'un qui a une maturité. Du jour en jour, tu grandis dans ta vie spirituelle, tu ne peux pas rester un enfant qui est toujours volé. Mais Dieu veut te donner cette nourriture, cette puissance de changer ta mentalité, de changer ton raisonnement, mais en laissant Dieu dominer sur toi. La cigarette ne peut pas te dominer. L'alcool ne peut pas te dominer. Les boîtes de nuit, pardon, ne peuvent pas te dominer. Les choses de ce monde ne peuvent pas te dominer. Mais c'est la parole de Dieu qui va dominer en toi. Parce que Dieu domine sur toutes choses. Pourquoi Dieu domine sur toutes choses? Pourquoi Dieu domine sur toutes choses? Parce que tout lui appartient à Dieu. Amen. Dieu créa le ciel et la terre. La partie est-elle créa le ciel et la terre? Dieu créa. Si Dieu créa, donc ça lui appartient. Toi, tu créas l'homme et la femme à son image. Tu es créé à l'image de Dieu. Acclamons-le. Dominer, c'est une option d'autorité. C'est une option qui te permet de surmonter les problèmes que tu as pu passer. Sa parole se manifester en toi à travers ton esprit.
And the most simple praise is about the fabulosity. Give me most praise. I will go sign up. Visually, children will serve so far. Hallelujah. Amen. Est-ce que vous êtes capable de Dieu? Donne-moi un mot avec si vous êtes là. Amen. Amen. Tu as le gouvernement de Dieu.
Tu as le gouvernement de Dieu qui est en toi. Tu ne peux pas faire les choses dans le bois. Tu ne peux pas faire les choses dans l'acier. Tu ne peux pas faire les choses dans la colère. Tu n'agis pas dans les choses comme ça. Mais Dieu veut que tu puisses te guider devant sa face. Amen. Jésus était dans la souffrance. Jésus était dans la douleur. Tu l'as utilisé dans la douleur. Et c'est même dans la souffrance aussi que Dieu l'a utilisé. Ne t'inquiète pas pour les épreuves qui arrivent, qui vont arriver. Mais cela, c'est pour refléter la gloire de Dieu dans ta vie. Il faut que toi-même, tu puisses en ressentir. Tu peux te poser la question, c'est même la quelque chose en moi qui ne va pas. Pourquoi tant d'années que je suis en train de me poser la question, pourquoi tant d'années je n'arrive pas à te faire confiance et que toi tu tournes entièrement en moi? Mais que l'assiette prend le dessus. Dieu ne veut pas que l'assiette prend le dessus, mais que ton Saint-Esprit domine en toi. Et que toi tu veux dominer sur les choses qui vont arriver. C'est-à-dire de laisser entièrement la place à l'Esprit de Dieu, à l'onction de Dieu qui se manifeste dans ta vie tous les jours. Ce que je veux te ramener, on a besoin d'être équilibré. Alléluia. Dis avec toi-même, Seigneur, Seigneur, j'ai besoin d'être équilibré. Une fois que tu dis qu'il n'est pas équilibré, tu lâches le volant, il va te tirer ou à droite ou à gauche. C'est la même chose pour notre vie spirituelle. Si ta vie n'est pas ancrée, si ta vie n'est pas dominée par la parole de Dieu, tôt ou tard, tu vas mourir à droite ou à gauche et tu seras perdu. Pourquoi? Parce que ta vie n'est pas centrée. Ta vie n'est pas équilibrée. Reste équilibrée. Sois dans ton courage. Dieu dit pas que tu es équilibré. Mais Dieu veut que son peuple puisse rester équilibré et qu'il puisse dominer sur toi. Amen. Dieu dit bon, j'ai ressenti dans mon esprit la soir, on était là en train de prier. Une onction particulière. Et je pense que Dieu est en train de vous équilibrer tout ça. David avait peur. Quand le roi Saul courait derrière lui pour le tuer, David se réfugiait dans la prière. Mais David n'était pas en train de pleurer. David n'avait pas dit où j'ai peur, il va me tuer. Mais il a loué le Seigneur. Nous ne sommes pas passés dans la prière. Et tous, chez nous, nous avons glorifié le Seigneur. C'est pour ça que nous sommes là. Nous avons laissé l'onction de Dieu dominer sur nous, mais pas les choses qui veulent nous envahir. Nous sommes les fils et les filles de Dieu. C'est pas ta vie que toi tu désires souvent aujourd'hui tu désires ça. Non, faux. Tu dois laisser Dieu dominer. Dominer sur tes finances. Dominer sur tous tes projets, dominer sur ta vie de consécration, toutes choses doivent être dominées par la parole de Dieu. Et tu vas avoir le fruit. Les autres vont te dire, oh, cette personne, il a changé. Il a la gloire de Dieu. On ressent la gloire de Dieu. Sa mentalité, sa façon de faire la chose. Peu importe si quelqu'un s'est trompé, peu importe si quelqu'un a fait quelque chose, mais tu dois le soutenir. Parce que tu es un fils qui est dominé par la puissance de la rédemption. Laisse-toi dominer. Mais ne te fais pas dominer par ça. Mais laisse-toi dominer par la puissance. Amen.
qui est puissant en force et qui exécute ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Et c'est la dernière. Bénissez l'Éternel pour tous ses armées qui aident ses invités et qui fait sa volonté. Bénissez l'Éternel pour tous ses œuvres dans tous les lieux. Que sa bénédiction, mon âme bénit l'Éternel. Amen. Tu ne fais pas la volonté de toi-même. Tu ne fais pas la volonté d'un homme, etc. Mais c'est la volonté de Dieu. Matthieu 6 dit, Père, que ton règne vienne. C'est-à-dire, son gouvernement. Le règne de Dieu. Tu appelles le règne de Dieu. Tu appelles, c'est-à-dire la puissance de Dieu dans ta vie. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite. C'est-à-dire, le règne de Dieu ne vient pas sur toi. Il vient sur toi. Il habite sur toi. Il habite en toi. Oh. Ce que je veux vous dire, il ne faut pas vous jouer avec le règne de Dieu. Parce qu'il est établi pour l'éternité en éternité. Acclame le Seigneur. Disons dans le psaume 66, alléluia. Tu arrives dans un bureau, tu arrives, il y a quelque chose qui est bloqué, Seigneur, tu domines. Amen. Tu as besoin de la finance, tu as besoin de quelque chose, Seigneur, tu domines cette situation. Parce que quand tu parles, tu domines quelque chose. Simple, tu cites la vérité de la bouche. Amen. Alléluia. Le psaume 66. On va lire au verset 5. Venez et contemplez les œuvres de Dieu. Il est redoutable quand il agit. Amen. Monsieur le Fils de l'homme. Il changea la mer en une pièce ici. On traversa le fleuve à droit à pied. Alors nous nous réjouissons en lui. Il domine éternellement par sa puissance. Ses yeux observent les nations. Dieu. Chaque jour qu'il observe. Amen. Il observe les nations. Il n'a pas dit le pays. Il n'a pas dit l'île de la Réunion. Il a dit les nations. Parce que tout lui appartient. Donc tu t'observes chaque jour. Il observe pour voir si on va accomplir sa volonté. Au chant de notre vie. Il y a un fait au lieu du juge personnel. Donnez l'exemple. Moi, il y a un fait pour toi. Tu sais quoi, tu me parles, tu me parles ici, donc laisse Dieu te venir sur toi. Tant qu'à l'évasion, nous savons où Dieu nous a tirés. Peu importe, nous ne sommes pas parfaits. Nous pouvons tomber du mal d'un jour. Mais laisse Dieu utiliser quelqu'un d'autre pour te relever. Il peut prendre un enfant de même pour te relever. Tu vas dire, oh, c'est pas en train de parler. Mais nous aussi, tu es en train de parler à travers le monde. Alléluia. Il domine éternellement par sa puissance. C'est Dieu observe la nation que le rebelle ne se lève pas. Peuple, bénissez notre Dieu, faites retentir sa louange comme nous avons fait ce soir. Amen. Il a conservé la vie à notre âme. Et il n'a pas permis que notre pays succède. Amen. Acclame ce que nous faisons. Car tu nous as élevés au Dieu. Tu nous as fait passer au creuset comme l'argent. Tu nous as amenés dans le filet. Tu as mis sur nos mains un puissant fardeau. Mais Dieu n'a pas voulu que ce fardeau. Parce qu'il est au contrôle. Je veux te dire, c'est Dieu qui te donne. Peu importe ce soir, mon frère, ta soeur, pardon. Si tu as un pardon, dépose-le là. Laisse Dieu s'occuper des choses. Mais je veux te dire, accomplis la responsabilité que je t'ai donnée. Va où Dieu te donne la direction d'aller comme il a donné à Moïse.
Dieu t'a dit de faire feu. Sors le même si c'est difficile, même si tu vois que ta vie, de temps en temps, est faite, mais dis Seigneur, t'obéis et que ta volonté ne soit pas la même, mais soit la tienne. Amen. Dieu est merveilleux, frères et sœurs. Il veut que nous puissions être dominés par sa parole, dominés par son esprit, dominés par son plan qu'il avait déjà préparé pour toi. Que tu nous aides davantage à grandir, frères et sœurs. Davantage. On ne peut pas rester toujours enfant. Il faut que l'enfant reste un moment qui commence à continuer à grandir. C'est-à-dire, nous, en tant que parents, on l'aide. Et nous, les papas célestes, qui t'a laissé la vérité, il est là. Le commandement qui est là. Allons pas justement feuiller la Bible. Tiens, même sa pointe, c'est laissé aujourd'hui. La table, c'est laissé là. Tiens, je suis mon frère à travers, c'est laissé là. Tu dois l'encourager. Le diable a essayé toujours de mettre le bâton dans les roues. Mais il faut le déclarer que le diable est vaincu. Amen. Amen. Il est vaincu, frère et sœur. Il est vaincu par le sang précieux de l'agneau de Jésus. Je vais te dire, n'aie pas peur. N'aie pas peur de lui. Mais c'est ta chair que tu as chaque jour crucifié. C'est ta chair que tu dois laisser l'Esprit de Dieu dominer en toi. T'évaluer dans la présence de Dieu. Chercher la grâce de Dieu. Simplement, Père, le voici. Et tu vas attendre. Et tu vas délaisser. 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 Alléluia. Dominer dans toutes les circonstances. Pas seulement quand tu es dans un besoin. Pas seulement quand tu es dans un temps de douleur, de souffrance. Mais dans toutes les circonstances de ta vie, tu vas laisser Dieu prendre la place de Dieu en toi. Oh. C'est bon, aujourd'hui, tu es béni, tu es content. Mais quand vient le peuple, ah, c'est bon, on est plus. Non! Dieu sera toujours avec vous. Dès le commencement jusqu'à la fin. Dominer nous dit aussi surmonter l'épreuve. Amen. C'est-à-dire, l'aide que nous sommes quand tu es là, si tu arrives devant le boulot, tu ne rouvres pas tes yeux, tu n'es pas entraîné, tu vas te casser. Mais si tu es entraîné, aussi, papa. Tu as la joie, Limakata. Peu importe l'endroit où tu es, tu peux le faire ici. Allez, c'est ce que tu peux faire. Les autres personnes dans le monde doivent témoigner de ta foi. Tu dois témoigner de ta foi en Jésus-Christ. Pas pour faire le beau, pas pour faire joli, mais voir que tu es un fils du royaume. Fils du royaume qui a la richesse de la gloire de Dieu en nous. On va voir après la richesse de ce monde. Et que passe-t-il? Mais là, la richesse de la gloire de Dieu nous fait toujours notre vie. Amen. Nous devons refléter la richesse de la gloire de Dieu. La manifestation de l'esprit en vous, en nous, à grâce au Seigneur Dieu. Dieu dans le 146, alléluia. Oh, merci Jésus. Domine chez nous, Seigneur, par ton onction. Oh, Jésus. On est pas qu'à tous, on va marcher. Le 146, verset 9. Faisons un Dieu si vous avez trouvé. Et que Dieu bénisse toutes les personnes qui nous regardent. Et que Dieu puisse toujours demeurer. Et que Dieu laisse Dieu donner la vie. Alléluia.
qui a blessé les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arbre, il a rompu la lance, il a consumé par le feu les chandeliers. Arrêtez et sachez que je suis Dieu, je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel désormais est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une autre retraite. Acclamons le Seigneur. Il domine sur les nations, il domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Amen. Oh, je veux te dire, n'aie pas peur. Aie conscience que Dieu est notre homme. Amen. Tu dois être conscient que tu as quelque chose en toi qui a plus de valeur que les choses. Mais cette conscience doit être dominée. Et quand tu laisses ta conscience dominer, tu réalises la valeur que tu as aux yeux de Dieu. Ce que je veux vous dire, frères et sœurs, ne fais pas quelque chose pour être fille des hommes. Mais samakata, rumakata, fais des choses pour être fille de ton papa. Oh, ma fille, elle est là. Oh, mon fils, il est là. Il se tient à la pêche. Il est en train de prier. Chaque circonstance, il est là, il est celle. Mais il n'est pas en train de murmurer. Il est en train de supplier le Père avec succès sa prière. Oh, tu écoutes la prière. Et il est au Père. Pourquoi tu es au Père? Il domine tout simplement. Il domine en toi. Laisse Dieu dominer en toi. Je me demandais, Seigneur, qu'est-ce que je pourrais déjà pour moi-même. Mais il fallait que je le vive. Et je vais le vivre encore. Et quand mon épouse a donné cette parole, j'ai senti la présence de Dieu, la gloire de Dieu. Et passer à travers elle pour me donner la confirmation de ça à nous pour nous-mêmes, pour nous voyer. Chaque circonstance, peu importe les nouvelles, peu importe si tu es dans les pleurs, peu importe si tu es en train de pleurer, tu as des douleurs, tu es en train de souffrir, mais tu dois dire tout simplement, tu es tout. Ne laisse pas l'esprit de faiblesse, de découragement envahir ta pensée. Mais laisse la puissance de la richesse de la gloire de Dieu se remplir en toi si par là. Oh Dieu, comme nous avons entendu, nous voulons entrer dans une nouvelle dimension. Mais pour entrer dans cette nouvelle dimension, il faut que toi-même, tu aies déjà dans cette nouvelle dimension, pour que Dieu puisse te ramener dans cette nouvelle dimension. Si tu ne rentres pas dans la dimension, tu ne peux pas être ramené. Il faut que tu rentres. Et pour entrer, c'est Dieu qui m'a aidé. Parce que tu es avec moi. Dieu te mit en moi. Dieu te mit en moi. Dieu te mit en moi. Et toi, le poids, acclame le Seigneur. Et si Dieu te mit en moi. Dieu te mit en moi. Dieu te mit en moi. Monsieur David, vous pouvez vous asseoir. Un chronique. Alléluia. Oh, bénédiction. Amen, 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 amen. Alléluia.
1 Chroniques au chapitre 29. Et nous allons prendre verset 10. Alléluia. Tu veux très bénir le nom de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Nous prenons verset 10. David bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée. Remplace ton nom par le nom de David, toi qui as fait le lien. Lui dit bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée et dit béni sois-tu d'éternité en éternité. Éternel Dieu de notre Père Israël, à toi Éternel la grandeur, la force et la magnificence. L'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. Amen. Tu appartiens à Dieu. Tout ce qui est dans le ciel et sur la terre, tout lui appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu te lèves souverainement, au-dessus de tout. C'est de toi que vient la richesse et la gloire. C'est toi qui te maintiens tout. C'est dans ta main que soit la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir, d'affermir toutes choses et nous accompagner au Seigneur. C'est de toi, ô Seigneur, que vienne la richesse et la gloire. Je veux te dire, quand tu laisses dominer l'onction de Dieu, c'est la richesse de Dieu, c'est la gloire de Dieu que tu dois refléter sur la vie. Amen. La gloire de Dieu, la richesse de Dieu n'est pas une chose ici-bas, n'est pas une chose qu'on voit dans notre vue naturelle, mais c'est une chose spirituelle. C'est la lumière du Fils qui se manifeste. Amen. Nous devons refléter. Dis Seigneur, je dois refléter. Seigneur, je dois refléter ta richesse et ta gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force. Quand tu n'as pas de force, dis Seigneur, que c'est dans ta main que tu tiens la force que j'ai besoin. Par ta main, Seigneur. Par ton esprit, Seigneur, donne-moi cette force que j'ai besoin de te servir. Alléluia. Et par sa main, il a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Quand tu es dominé par l'Esprit de Dieu, quand tu es dominé par la volonté du Père, Dieu veut élargir le temps qu'il a mis en toi. Dieu ne veut pas que tu sois en ralenti. Dieu ne veut pas que tu recules, mais Dieu veut que tu grandisses, que tu avances et que son option se manifeste chaque jour dans ta vie. Tu parles, tu chantes, tu loues prophétiquement, tu agis prophétiquement. Quand tu dis quelque chose, c'est pas toi, mais c'est Dieu qui agit parce que tu laisses Dieu te mener en toi. Tu parles. Les choses arrivent. Pas pour faire joli, mais c'est juste pour manifester la richesse et la gloire de Dieu en nous. Amen. Acclamez-le. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous aide davantage. Pendant tout votre temps, que Dieu vous donne de laisser son esprit, sa parole, te lire. Acclame le Seigneur. Et à toute simplicité, frères et sœurs,
Laisse Dieu nous bénir sur toi. Amen. Acclame le Seigneur. Seigneur, que tes anges, Seigneur, puissent nous visiter, Seigneur, et nous